بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous pouvons continuer le topic. Il nous reste quelques bonnes stratégies qui Shaitan servit. Et quand nous finissons, nous vous causons toute bonne protection. Ça veut dire qu'il y a des armes, Allah finit de nos comptes. Shaitan, et là ensuite de ça, nous vous sens topic, nous vous prenons notre topic, Inch'Allah. Alors, parmi les stratégies qui Shaitan servit, c'est nous guette beaucoup et nous arrivons à un point qui appelle la sorcellerie ou soit qui appelle la magie noire. Alors, la sorcellerie et la magie noire, c'est une petite chose qui existait. Alors, pas fin d'exister depuis Astier là, ça. Depuis tous les temps, fin d'exister ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala qui dit raconte nous dans l'époque Sulaiman alayhi salam, il dit wama kafara Sulaiman. Sulaiman alayhi salam n'est pas fait kufr li. Walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Mais seulement ban shaytan zodzo fil fait kufr. Qui fait zo fin enseigne ban dimon la sorcellerie ou ça qu'ils appellent la magie noire. Alors ça, c'est une petite chose qui existait, comment on peut trouver depuis bien avant, qui c'est une petite chose qui tous les temps existait. Pas penser qu'Astéla l'a diminué, Astéla aussi n'est pas pour diminuer ça. Parce qu'il dit monde content faire les autres du monde dit tout. Alors tant qu'il y en a une sane, sa faiblesse qui appelle la haine envers les autres, la jalousie, comment t'as l'air de bougeter, alors ça va une petite chose là pour en pouvoir la même ça. Alors c'est une petite chose qui n'est pas nouveau. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui retourne ça à l'époque de Sulaiman alayhi salam. Alors Sulaiman alayhi salam, c'est là, ben djinn qui peut travailler pour lui. Alors ben djinn qui peut faire une construction pour lui. Alors juste en parenthèse, nous vous trouvez que Sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala, il y a beaucoup dans les autres riwayats, il y a dans Sahih Muslim. Alors Sulaiman alayhi salam qui t'y fait, Sulaiman alayhi salam enchaîne ben là en bas la mer. Alors l'y emprisonne certaines de ben Satan et commence à s'arabe à dire avant Kayamat ça ben Satan là pour retourner et je pouda la langue de ben Dimon qui n'a connaissance digne. Alors je vous finis, je vous prends ben Dimon qui n'a connaissance digne, vous pensez Dimon là peut dire ça ici, Shaitan peut faire dire ça. Alors la cause ça même qui nous trouve beaucoup type fitna aujourd'hui, beaucoup qualité, tout fatwa qui ont envie de gagner ou gagner de la dunia, c'est-à-dire. Mais c'est mon boutini dans le droit chemin, il est bien, bien difficile. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ijtanibu sab'a mubiqat, reste loin avec sept. Bon, nous ne pouvons pas traduire comme un grand péché ici, c'est sept destructeurs qui finissent la vie complètement. Alors, de un riwayat là-dedans après shirk, associé avec Allah, il mentionne la sihr, la magie noire. Ou soit nous capables d'appeler la sorcellerie. Alors ça, il détruit un démon, il détruit son iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata arrafan ou kahinan fasaddaqahu bima yakoul. Alors c'est lui, faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Alors c'est lui qui n'a le côté arraf. Qui veut dire al-arraf? C'est lui qui prédit le futur. Alors, ou soit les finales cotènes sorciers, ça veut dire les finales cotènes traités,
إلين قوى ساكي ساجم النبي جيدي فقد كفر على ما أنزل على محمد ألو لفين في كفر لفين لبنى من إيمان نين ديزوبيي ساكي رسول صلى الله عليه وسلم في نميني ألو ساجم النبي لبقى قابا المسلمان سيدي القوى سبان تب ديمونا ألو سا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كوز إن كوزي بيان فو qui s'en a pas pour envie reste d'Ummat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement c'est lui qui ne fait cette action-là. Alors, il y a une faiblesse parfois. Shaitan vient jouer avec sa démonna. Par exemple, qui faiblesse, il y en a ses enfants malades beaucoup. Alors, ses enfants malades beaucoup, il y en a docteur. Si il y en a docteur, il y en a courant. Qu'il y en a tout chifa là-dedans. Mais du monde là qui n'a pas trouvé résultat vite, alors qu'il arrivait, il y a le tombe dans sa bonne petite chose. Alors qu'il y a le faire, par exemple, il y a le ban la croisée. Il y a le faire, une petite chose qui n'est pas bizarre. Alors ça, c'est une faiblesse par qui Satan attaque nous, ça. Du monde pas content, l'autre du monde. Alors l'époque Souleyman, alayhi salam, qui est arrivé, c'est Ban Shaitan qui vient montrer comment c'est pas antenne missier avec une madame. Alors, mettre problème dans la case là. Faire la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, tout le temps, existait. Alors, c'est lui qui, il a le côté traité, comme apparaît dans le hadith là. Alors, nous vous trouvez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, déjà pendant 40 jours, sur la masse pas compté. Si t'as une action pas bon, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et naman sahaba aussi, fin de la parole là. Alors, punition d'un magicien, punition d'un sorcier dans l'état islamique, c'est ce jet l'écou avec un l'épée tranchant. Alors, ça, c'est une petite chose qui existait, et tous les temps fin d'exister. Mais seulement, aujourd'hui, nous, on a une qualité magique, du monde là, de non, nous pas être traité à nous. Mais seulement, ces enfants peuvent être télévision et la magique là-dedans. Et la menti dessin animé démon là-dedans. Démon là, dire, les peuvent être benten. Ce garçon content qui était ça benten. Qui était ça au fait, benten? C'est pas un démon là-dedans. C'est pas qui programme Vampirina. Peut faire un petit comique, oui. Mais seulement, ces enfants-là commencent contents, démons. Combien il y a de Disney, ça? Beaucoup. Alors, nous disons qu'on a qui enfants là peut guetter? Un démon peut guetter Harry Potter. Il peut guetter Harry Potter. Il dit, non, mais mes enfants, ça, il y a des enfants là-dedans, ça. Mais quand il roule ça, il roule dans l'école de magie. Tout mot de la sorcellerie, il y a dans sa femme là. Tout mot de la sorcellerie, il y a là-dedans. Dans sa femme là. Tout ce mot qui est là, ce personnage qui servit là, c'est un sortilège. Alors, il est vraiment, vraiment, vraiment pas bon, ça. Pareil que moi, je suis content avec David Copperfield longtemps. David Copperfield, un magicien qui fait, comment on appelle ça, une statue de liberté disparaître. Alors, je suis tout ça là, il est content, mais ici, il peut faire coffre, il peut aller même. Alors, comme ça même, nous vous trouvez qui, l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben juif qui fait sorcellerie avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, comme un hadith rapporté dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Alors, qui veut faire la sorcellerie avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est min Yahoudin. Bani Zuraïk, ça veut dire c'était un juif depuis tribu de Bani Zuraïk. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce juif-là, il s'appelle Labid ibn al-Asam. Alors, qu'est-ce qu'il fait, il gagne ce qu'on appelle pain de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la civile là-dedans. Alors, il y a beaucoup de riwayat, il y a des gens qui prennent une rose, il y a des puits. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il n'y a pas de comprendre qui peut arriver. Jusqu'à qui, et là, ben, Farista, fin vini, fin tiye ça.
Alors, ça va un événement la même qui est arrivé, ça va un événement la même. Quand les pharisiens ont été la même, il y a certaines riwayat dire que l'Audhu bi Rabbi al-Falaq avec l'Audhu bi Rabbi al-Nas fin révélé. Alors, bien faire attention avec ça. Alors, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin capable en source, alors qui est là pour un autre du monde venir faire la sorcellerie avec nous? Alors, la sorcellerie, c'est une affaire qui existait, mais seulement la sorcellerie n'est pas pour capable, pareil comme n'est pas capable de rentrer dans la révélation, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Alors, certainement, c'est nous qui fin révèle le rappel et c'est nous-mêmes qui vous protéger. Alors, fais attention, car prends un petit linge, mets-toi pendant de la corde. Surtout après ma grippe, ou soit un démon, un petit qui descend, une tombée, ou soit une taille se jongle, une jette sa part là, ou soit. Alors, tout ça, bonnes affaires là. C'est bon qu'il soit possible qu'il soit capable de faire la sorcellerie. Mais attention qu'il ne pensait dans les mondes scientifiques pénal la sorcellerie. Tout le temps, nous venons nous dire que voilà, c'est dans sa partie-là, Madagascar, qui n'a voulu, l'un et ça, l'autre, mais au fait, l'Europe est trempée avec la sorcellerie. Quand on lit l'histoire de l'Europe, vous trouvez qu'il s'est trempé avec la sorcellerie. La Finlande, les Scandinaves et tout. Alors, il y a des gens qui pensaient que scientifiques avec sorcellerie, c'est des qui sont tout à fait différents. Mais parfois, nous arrivons trompés. Et vous avez fait attention avec ça. Par exemple, Jack Parsons. C'est là qu'on dit ça. Lui-même qui avait tout une roquette, tout un satellite américain là-haut, lui-même qui développe ce système roquette là. Alors c'est un génie qui est là, qui la NASA considère lui comme un plus grand ingénieur qui finit d'exister. Alors lui qui l'a fait, il prend physique quantique et il fait la sorcellerie avec ça. Alors, tout ça là. Alors, il dit, physique quantique, c'est la sorcellerie. Alors, quand il mot qui va la finale comme tout ça là. Alors, qu'il dit? Il dit, il joigne un super pouvoir depuis l'espace qui vient qui contrôle lui. Alors, nous pouvons dire, du monde scientifique là. Mais seulement comment je ne mal, si tant je ne rentre là-dedans, alors finalement je vais vers quelque chose, vers le noirti. Alors ça est l'exemple qui m'a donné. Jack Parsons, il n'a pas commis l'exemple là-dedans. Alors Jack Parsons, finalement, qui lui dit, il vient crawler, c'est une rentre d'insectes, etc., etc. Ce qui, je te dis, alors crawler, lui, il tient une personne qui tient en contact avec un Satan, quelque part par là. Alors les mondes, quand nous passons aujourd'hui, les mondes n'ont même pas tourné vers cette chose-là. Attention qu'ils vous croient qu'ils ne savent pas exister. Dans Bohemian Grove, je te sacrifiais 10 mondes, 10 bébés, pour Satan, pour Baphomet. Alors, cette chose-là existait. Dans ma loge de la franc-maçonnerie, alors je passe par tout type de chemin. Alors, finalement, pour aller. Alors, nous trouvons comme ça, même un templier qu'ils ont dit, il a tout pouvoir. Quand je ne trouve ça, qui je veux dire? Elle prend mon livre de templier, je te ban manuscrit, et qui je veux dire maintenant? Je ne joigne Satan en bas, Mazid al-Aqsa. Alors, tout ça là, c'est la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, il est capable de commencer par un problème, mais du monde qui a un problème avec ce madame qui ken, il fait ça. Alors, du monde là, papa senti bien, capable de gagner toute qualité malade, capable de gagner toute qualité problème, mais tant que les vins là-haut, il rentre même dans les mondes scientifiques. Il rentre même dans la politique de domaine scientifique. La cause, ça même qui va un politicien, alguien soi-disant, Maulana Miadi, soit pandit. Alors tout ça là, c'est un calcul. Le Tala vini, il fait un petit calcul. Il dit, oh non, les étoiles là, vous ne savez pas qui côté, alors mettez les choses à jour là.
Donc vous faites telles affaires aujourd'hui, alors vous comme ça. Alors tout ça là, c'est malpropreté. Alors, islam condamné. Alors parmi les stratégies qui les servent, c'est la sorcellerie. Alors aujourd'hui, il y a une partie, la magie, qui va du monde qui appelle. Ça veut dire une magie qui, comment dire, normal, les bons, les appelle les blancs, les pas, peu importe. Alors tout ça là, peine n'a aucun sens dans l'islam. D'ailleurs, comment nous finissons, était les condamnants. Ensuite de ça, nous avons faiblesse de l'insan. Alors, quand nous disons faiblesse de l'insan, nous tout est une faiblesse. Personne n'est pas capable de dire qu'il est une faiblesse. Alors, pour Shaitan, comment Ibn al-Qayyim dit que Shaitan est sali, pour lui, il trouve un point qu'il est capable de rentrer dans l'insan. Alors, quand nous avons un grand Awliya Allah, je montre nous qui faiblesse, c'est une maladie. Ça veut dire, sa faiblesse psychologique qui est là, c'est une maladie. Alors, qui était ça? Je dis, on a des contents aux enfants, trop beaucoup. Mais c'est content aux enfants. Mais il content ici tant beaucoup, qu'il dit, comment dire, ado aux enfants là. Alors, nous pouvons trouver qui, ça même qui Shaitan, à travers une faiblesse qui insan est là, alors ça, il y a la porte qui est ouverte pour que Shaitan rentre. Alors, nous vous trouvez parmi ma faiblesse, c'est faible. Dimon là, il sentit les faibles. Alors, nous vous trouvez, dimon là, désespéré. Désespoir, c'est une faiblesse, ça. Dimon là, découragé. Contentement. Happiness, il y a une faiblesse, ça. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous avec faiblesse. Alors, nous avons une bonne opinion de nous-mêmes, nous l'arrogance, etc. Tout ça là, c'est une faiblesse. Ça. Alors, discuter, c'est une faiblesse, comment va nous la main dire. Alors, il y a une partie, elle boucle, l'avarice. Dis-moi, qu'on t'en casse, c'est une faiblesse. Faire dominer avec les autres, c'est une faiblesse. Alors, nous avons tout type de faiblesse, même nourriture. Quand nous gagnons faim, c'est une faiblesse. Nous avons soif, c'est une faiblesse. Alors, Shaitan il servit tout ça là pour lui rendre dans l'insan. Il servit tout ça dans faiblesse là pour lui attaquer l'insan. Là, il écoute nous plie bien parce qu'il trouve nos créations. Li, l'anatallah, l'oli. Alors, comment ben oublier Allah dire, pour venir proche avec Allah, chemin là bien difficile ça. Ça veut dire, montagne là, il est droit devant nous. On m'a dit, il y a une montagne nous, en bas. Mais ça fait beaucoup d'efforts pour nous aller. Mais, pour nous rapprocher nous avec Shaitan, nous tombons dans ce piège, c'est si tant facile qu'un démon peut descendre dans une montagne et venir lui-même. Alors, personne ne peut nous dire, il y a tout un nafs, non. Mais tout, il y a dire, il y a contrôle le nafs. Ça veut dire, il y a fait un livre dans le contrôle. Pareil comme ça même, comme un démon. Il y a un cheval là, il y a un dompté, s'il y a un cheval sauvage. Pareil comme ça même, nous devons faire avec le nafs. Alors, plus vite qu'il y a un démon qui descend depuis une montagne, depuis une falaise, il y a même vite tombé. Alors, Shaitan qui lui fait dire, pour nous venir dans le chemin Shaitan, il servit tout sa bonne faiblesse. Alors, nous pouvons trouver, ben, Aulia Allah, fin cause beaucoup, là. Par exemple, il y a certaines manaoulia Allah fait une cause concernant Iblis, Shaitan, par qui moyen les plus faciles attaquent les qui d'un enfant Adam. Alors, comment il est capable d'attaquer nous les qui? Il attaque nous les qui par des petites choses. Un, par tristesse, et deuxième, par contentement. De tristesse excessif, nous content excessif. Alors, insan, il est triste et il est content, c'est des faiblesses, ça. Il est content trop beaucoup, il n'arrive pas à telles affaires, et il est triste trop beaucoup, quand quelqu'un quitte les finales. Alors, Shaitan, c'est venu. Par exemple, un démon, il est trop content, il va pour lui faire champion après 30 balles l'année. Alors, il est arrivé, quelques bonnes paroles jouées, il finit sur le pied de la bouche.
Alors, si t'as l'in content, causé, finalement, il me dit, il y a la masse qui tient à Isha parce qu'il est final d'un programme avant l'hier. Alors, quand il peut retourner, il me fait défiler ce qu'il est, alors, la masse d'Isha, il y a des temps, soleil, il y a des temps dépassés. Alors, ça, c'est un contentement excessif. Contentement excessif, capable de nous faire beaucoup gaffe. Pareil comme ma tristesse excessive. Un du monde sur l'équipe pas de faire champion, qui arrivait, tout le monde qui cause à lui, commence à gagner la guerre avec tout le monde. La cause de l'équipe pour gagner la guerre, et n'a pas battu tout. Vous trouvez comment Shaitan rentre dans l'équipe des enfants à Adam. Alors, ça va nous lier à Allah, là, c'est un plus grand psychologue qui est capable d'exister, ça. Alors, je finis de montrer nous, alors, quand il y a un contentement excessif, ou soit tristesse excessive, qu'il est besoin de faire. Il est besoin de rappeler Allah. En ce qui est comme le hadith, Shaitan, il met sur la gueule contre les qui les enfants Adam. Comment il rappelle Allah y aller? Alors, quand nous sommes trop contents, nous remercions Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous faisons des rakat nafil, nous remercions lui. Quand nous bien tristes, qui nous fait, nous retourne vers Allah même. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme on a le matelik ou trop, la taïf, disant pas tout ce qu'il y fait. Il y a une vie, il y a une amas. Alors, il y a une tranquillité là-dedans. Pareil comme ça même, nous vous trouvez Wahab ibn Munabbih. Alors, il raconte nous concernant ben, une stratégie que Shaitan dit. Alors, qui action, qui chose, qui caractéristique si vous êtes, alors vous une poupée devant Shaitan. Shaitan fait ce qu'il y a envie à vous. Alors, qui cette action-là, ça, c'est qu'à vous en coller vite. Alors, qui dit, ça, Iblis même, il dit ça. Alors, quand il dit, nous fait coller vite qui arrive, ça veut dire qu'à vous faire coller vite, vous venez pareil comme une boule. Iblis dit qu'il y a une boule dans la main de Satan. Pareil comme une boule li, dans la main des enfants. Alors, li, tout nous coûte l'envie. Alors, pareil comme ça même, nous vous trouvez, comme Ibn al-Jawzi, rahimahullah, le site Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala, qui dit qu'il rentre à travers un démon, à travers la jalousie. Qui fait, moi, je ne suis pas capable de gagner ça. Et ce qu'on appelle greed. Ce gourmandise, l'envie. Alors, l'autre ben là, capable de gagner, qui fait, moi, je ne suis pas capable de gagner ça. Et ça même, c'est le commencement des histoires de Sayyidina Yusuf, alayhi salam. Alors, Sayyidina Yusuf, alayhi salam, qui est arrivé. Ce ben frère, qui fait une attaque, lui. Qui fait une prend ligne, mettre lui d'appui. Qui fait une cause mentie. Alors, trouver la jalousie, qui est capable de faire ça? La jalousie, est capable de détruire où? La jalousie n'est capable de finir une amitié. Alors tout ça là, c'est une faiblesse qui est en ça. Alors c'est une faiblesse là même qui vient une âme pour Shaitan. Alors pour les capables, attaque-nous. Ensuite de ça, ce qu'il nous dit à maintes reprises, c'est Madame avec content d'unia. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme ça même, il dit, ben, madame, vous avez couvert bien, je te la mets avec votre visage, capable de couvrir avec votre pied. Pareil comme ça même, il dit, ben, monsieur, baisse votre regard. Mais seulement, je vous dis, il y a tout un tam-tam autour de sa bonne affaire là, au nom de liberté, etc. Bon, on ne va pas rentrer en détail. Mais il y a même une petite chose qui nous vient prendre compte. Quand Shaitan est venu en tant que monsieur, quelle madame, qui est étranger, alors qui est arrivé. Si, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'un monsieur dit avec une madame tout seul, alors troisième là-dedans c'est Shaitan. Alors, bien fait à tout ça, attention là, parce que définitivement, ça, c'est parole Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais pas connaissant les pieds qu'a glissé. Pareil comme ça même, de trouver Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous comme une madame. Alors qu'une madame, c'est généralement Shaitan qui reste sur les cheveux, quand les cheveux découverts. Alors ça,
ces magnifiques choses qui nous étaient déjà fini expliquer avant, et concernant Hubbu Dunya, alors qu'on tend Dunya, ça même plus grand, la tête de tout ban péché qui existait ça. Bon, nous ne pas pour rentrer en détail là-dedans, parce qu'il nous étaient déjà fini expliquer. Ensuite de ça, il y a chanson et la musique. Alors généralement, la musique, qui chaitade, content de tout désaccorder. Qui est la musique qui est causée ici? C'est ben, la musique qui fait un démon perdu sur la tête, alors le démon a réagi différemment. Alors si un démon capable, je peux suivre un type qui est arrivé, américain, il fait un film concernant ben chanteur. Alors vous trouvez qu'un bon parti là-dedans finit par l'homosexualité. Ou soit, si tant je prends la drogue, etc., et je te mords comme ça. Alors, comme ça même, Ben Aulia Allah, dire qui, ce qu'il appelle, ça, ben, type de la musique qui, comme on dit, il prend ou c'est à vous, il y a là. Alors, ça, ben, type de la musique là, c'est ben façon comment Shaitan capable de rendre dans nous ça. Ça veut dire Shaitan capable de servir. Alors qu'un démon, comme Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah, il dit un démon qui entend la musique, ce qu'il cite, il rentre dans le monde de la musique là, alors il tendait, alors connaissance par rentre dans lui, et il arrête service au cerveau, et ce qui est arrivé, il commence à négliger sur ban action concernant dîne, de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Shaitan, il pénétrait dans les quais à sa insan, qui lit, il écoute sa qualité chanson et sa qualité la musique. Alors, d'époque longtemps, généralement, nous y mettons tout un bel poème, la poésie. Et la poésie arabe avec tout ce malpropreté qu'il y a. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu abolir la poésie. Lui. Poésie, c'est une grande affaire, ça, il développe langage. Mais seulement, il met une limite à excès de bel poète. Alors, nous vous trouvez qui, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, alors, qu'il dit concernant la musique qui est santé? Alors, quand nous peut dire chanter, définitivement, nous ne pouvons pas dire santé, une santé normale. Ok? Une santé qui est dans la poésie, nous peut causer certains types de bonne santé. Alors, qu'il dit? Il dit ça, c'est Coran de Shaitan, ça. Pareil comme nous contentons la musique, bah, ou soit, quand nous tenons le Coran, il y a un effet, ou non. Alors, quand nous pétons le Coran, nous pouvons faire une ibadat. Alors, Shaitan, ce Coran, c'est ça. Quand ça dit, mon là, pétons la musique en excès, il pétons, ben, excès dans la musique. Alors, que je sois capable, hard rock, ou peu importe de quelle façon, il est capable de. Alors, sous soi, dit, mon là, il peut écouter certaines de bonne santé, qui n'a certaines bonnes paroles osées là-dedans. Man excès qui est là-dedans. Alors, définitivement, nous vous trouvez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant ben du monde pour métamorphosie. Alors, ben ulama, il y a deux opinions concernant métamorphose. Alors, il y a ben ulama, il y a du monde là pour être insan, même lui. Mais seulement, les bovines pareil comme un singe et un cochon, comme un adhadith, c'est clair. Ça veut dire les bovines plus bas qu'ils animaux. Alors ça, c'est une réalité qui nous fait finir. Witness trop beaucoup ça, dans ça le business showbiz. Et deuxième type, deuxième l'opinion de Banoulama, Banadia non, de mon âme pour transformer. Bon, ça n'a pas nous pas encore trouvé, mais nous pas capable de dire pas exister. Pareil comment tout Banoulama longtemps, quand tu peux dire Shaitan peut uriner dans l'oreille d'un démon qui n'est pas levé dans Mans Fajar. Alors, la majorité de Banu Lama, tu peux dire, ça uriné là, il y a un sens figuré, ça n'est pas réel. Mais seulement, après, nous faisons trop certains Banu Lama qui font trop l'urine dans l'oreille d'un démon. Comme Imam Sha'rani dit. Alors, il n'est pas drôle qu'un démon dit, mais la discothèque, etc., etc., qui Allah subhanahu wa ta'ala, sa capacité beaucoup plus grande que ça. Alors ici, nous pouvons cause ce type de la musique là.
Non pas parce qu'on a la musique qui, comme on dit, la musique qui douce, etc. Qui dit, mon là, il y a encore un sens. Mais nous pouvons avoir la musique qui dit, mon l'effet, dit, mon là, perdit sur la tête, et dit, mon là, agit par rapport à ça, la musique. Là. Alors, quand dit, mon là, commence à agir par rapport à ça, alors, définitivement, l'effet n'est pas bon. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous parmi une stratégie de Iblis, c'est quoi? Il peut faire nous faire négligence de faire ban ibadat. Quand nous pouvons faire ban ibadat, alors qu'il peut faire, il peut venir ensemble avec nous. Pour prendre nous la tête pour aller. Nous débouter dans la manche, après un petit moment, nous la tête pas ici. Soit aller dans une transaction, nous dit faire. Nous pas capables même de concentrer. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il dit à nous, aqimu sufufakum wa tarasu. Alors, qu'il dit à nous, fais-nous saf, droite. Alors, qu'il dit à l'india, walladhi nafsi biyadi. Alors, il fait serment le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il dit trouvé, il trouve, shaitan, pérant, ante, ban saf. Qui façon, pareil, comme un mouton noir, un petit mouton noir. Dans l'autre riwayat, il montre nous c'est un mouton noir de Yémen. Alors qui était ça un mouton là? Il y avait un troupeau de un mouton. Alors ça un petit mouton là qui je te fais, je te rentre entre dans ce troupeau là. Alors Shaitan comme ça même il rentre entre ban saf. Alors saf bien fait lui bien. Alors Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous. Alors l'indien nous comme Allah dit dans le Coran, « Ya yuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa »« O ban kina iman, radda islam complètement »« Wa la tattabi'u khutuwati shaitan »« Innahu lakum aduun mubin » Alors, pas suivre pas de shaitan, parce qu'il certainement c'est l'ennemi déclaré. Alors, qu'il y a pour faire ? Comment man awliya Allah dire ? Il y a pour finir, il y a pour bas nous. Il n'y a pas pour laisser nous faire sa ibadat là. Alors, comment les vous trouvez qu'il nous a une détermination? Alors, qu'il peut faire? Il peut faire nous faire négligence là-dedans. Il peut faire nous rater un des bonnes affaires. Tous les jours, du monde là, tu peux faire 100 d'arôdes. Un jour, il peut gagner les temps, non? Alors, ben, il finit comment se rater, même à ce terre. Laisse-le. C'est ça qui est arrivé. Commencement, il dit, il m'a bougard de rosa, lundi, j'ai dit. Alors, finalement, qui est arrivé, il commence à rater un des autres, là, fini. Il prend l'île, il maîtrise dans quoi. Il arrête de faire action là. Alors, ça même sa négligence là, ça pas prend compte là, ça même qui chétane pour faire. Il faut faire tout pour empêcher, faire ce que tu peux faire, au manouird, au manourad tous les jours. Et là, finalement, qui est arrivé, quand du monde là qui est derrière, il va pas faire non, même ça ne coûte là. Et ça arrive à tout ban mourid. Arrivez-en. De commencer bien, ensuite de ça, détermination là, diminuer, les aller même. Alors, Shaitan, il fait tout ça là, à travers, waswasa. Alors, qui était ça, waswasa? Waswasa, c'est ça même, qui, les venait, les soufflait dans la poitrine, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, les mêmes fait de montrer nous. Waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi, soudour innas. Alors, qu'il y fait, il vient, il souffle la poitrine de ban insan. Alors, qui arrive, il dit, là, il est prêt pour faire action, là, lui. Mais c'est moi, après un petit moment, il comment dire, il comment senti lui-même, il est dans sa détermination, là. Il envie arrive au temps, lui. Mais ensuite de ça, il commence à trouver, mais là, il est arrivé, là. Il ne pas pour faire plus d'efforts que ça. Il diminue, dit, mon là, ses efforts. Alors, comment nous apprendre, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Shaitan les traverse dans les enfants Adam, pareil comme en 10 ans. Alors, définitivement, qu'il y fait, lui, ce qu'il y bien fait, lui, il y bien soufflé dans sa nafs. Alors, quand il soufflé dans sa nafs, ensuite de sa nafs, il commence à faire quelque chose. Parce qu'il est déjà connu, nous, lui. Il est déjà connu, nous, stratégie, lui. Et déjà qu'on est quand on peut assiser ici, au lieu qu'il y ait de cause, il ne peut pas gagner sommeil. Du monde là peut penser, il peut gagner sommeil, la cause, il est fatigué ici, il n'est pas fatigué.
Les pégains qui disent faire l'idomi. Comment ils font l'idomi? Alors, pas penser qu'il y soit ça tout le temps, les visins viennent dire où ça, les non. Les faire où ils font. Ça, c'est parmi ce bonne stratégie, ça. Ou c'est bien faux, mais ensuite de ça, ils font. Les diminuer ou détermination. Alors, Shaitan, c'est ça, ce bonne stratégie qui les servit. Les embellir avant qu'ils sortent pour. Il embellit le sommeil pour. Alors aujourd'hui, nous terminons avec stratégie de Shaitan. Inch'Allah, la prochaine fois, nous vous causons concernant les hommes qui nous ont pour la guerre contre lui. Inch'Allah. Alors pareil, comment nous connaissons sur une stratégie, à ce qu'elle nous besoin prendre. Les hommes, alors Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, alayhi, c'est sur méthode ça. Alors qu'il dit, il dit. Apprendre une stratégie, les là ou apprendre protection. Si vous pas pourquoi une pro une stratégie, comment vous comprenez protection la paix aussi ou ça va paix aussi. Alors, inshallah la prochaine fois, quand nous venons inshallah nous pour expliquer concernant les hommes qui Allah et son Rasoul fin de nous pour casser une stratégie qui Shaitan finalement, alors le fin cause 20 parmi Shaitan sur ma stratégie. Alors, Inch'Allah, la prochaine fois, nous commençons cause concernant sa banzaum là, un par un, et comment je casse sa banne stratégie là. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.